Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale retour de course que j'ai effectuée là chez Carrefour. Donc comme vous allez pouvoir le constater par vous-même, c'est pas grand-chose, mais en tout cas ce sont des choses que j'ai vraiment besoin et que j'aime bien avoir toujours dans mes placards. Et c'est également des choses que je n'ai pas pu trouver lors de mes dernières courses chez Lidl et chez Leclerc Drive. Donc comme vous me connaissez maintenant, je commence toujours par tout ce qui est surgelé et frais. Donc là j'ai pris ce sachet d'haricots verts extra fins. Ensuite, j'ai pris de la crème fraîche épaisse 30% de matière grasse. J'ai pris deux petites boîtes, mais en tout cas, ce sont les gros formats hein, de 50 centilitres. Ensuite, j'ai pris le lot de trois petites briques de crème entière semi-épaisse, toujours 30%. Et j'ai pris également du lait de coco, donc là c'est plutôt pour préparer des repas assez légers et simples. J'ai pris deux grosses boîtes de conserve d'épinards hachés, malheureusement j'en trouve jamais chez Lidl, donc j'ai dû en prendre ici chez Carrefour. Ensuite j'ai pris ce sachet d'haricots rouges de la marque Samia il me semble, et c'est super bon, franchement j'essaierai de vous faire une recette à l'occasion et de vous la publier aussi par la suite. Ensuite j'ai pris ici des brocolis. Donc là, ça m'a coûté 1,45€. Franchement, c'est super bon. Et d'ailleurs, je vous ai posté une vidéo de recette brocoli avec pommes de terre. N'hésitez pas à aller la voir aussi, à l'essayer. J'ai pris ensuite mes céréales. J'aime bien en prendre aussi. Donc, ce sont des muesli. Et ça me cale très bien. J'ai plus faim après. Ensuite, j'ai pris ici des Raffaello pour les enfants, pour leur faire plaisir. Donc vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose, c'est juste histoire de vous donner une petite idée des prix de ces produits. Et puis en plus, vous voyez, la majorité des produits que j'ai pris sont de la marque Carrefour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. En attendant, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.